Ouh, et donc salut tout le monde, c'est Afters Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Skate 3. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce nouveau concept. Donc 2 semaines sans code, qu'est-ce que ça va être? Donc 2 semaines sans Call of Duty, hein, sans aucune vidéo Call of Duty, donc les vidéos que je sortirai sont pas du Call of Duty. Donc excusez, je suis très malade, donc si vous entendez des petits bruits quand je respire, c'est que c'est ma gorge qui part en cacahuète. Donc les vacances commencent bien pour moi. On est mardi, donc je suis malade depuis 4 jours. C'est pas l'idéal hein, quand même pour faire des vidéos, mais bon, je propose quand même des vidéos pour mes abonnés. Enfin, pour ceux qui me suivent, en plus je suis à 21, oui c'est pas énorme, mais alors je pense que je propose quand même de la qualité. Hein. Je sais pas ce que je dois avoir comme problème. Je vais essayer de rapprocher un petit peu le micro de ma bouche. Donc je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça va être un petit peu cette vidéo dans 2 semaines sans code. C'est que en 2 semaines je dois pas faire de code, donc pas de Call of Duty. D'accord, donc là il est parti n'importe comment. Donc 2 semaines sans Call of Duty. En vidéo, même en. Bon. Peut-être que je jouerai sans vidéo en off avec des potes hein, s'ils veulent jouer parce qu'ils ont pas forcément les jeux que j'ai. Pardon. Puisque donc ça se peut que des fois si vous êtes amis avec moi sur PSN, vous me voyez sur MW3 ou Black Ops 2, mais pas sur Ghost en tout cas. Ou alors c'est que ça sera vraiment bizarre. Sur Ghost franchement c'est le jeu que tout le monde déteste pas, enfin, mais qu'il y en a beaucoup qui en ont marre. C'est pour ça que pendant 2 semaines je vais pas faire de vidéo sur Call of. En plus pour l'instant sur ma chaîne j'ai proposé que ça, je crois. Non, je crois que j'ai proposé du Gotham City Impostor et du comment ça s'appelle déjà donc je sais même plus ce que j'ai dit. Alors 2514 Gotham City Impostor, voilà. Donc seul jeu, enfin autrement il y a le test play. Non, les Battlefield 4, voilà. Autrement les tests on play ça compte pas. J'ai compté Dust mais j'ai pas fait exprès. Pourquoi je me fais comme me pâter la figure. Donc aujourd'hui vidéo sur Skate 3 en live. Donc pour ceux qui aiment le skate, c'est un petit peu une vidéo faite pour eux. Hein. Enfin, je vais pas, ceux qui aiment pas Skate 3 ou qui savent pas ce que c'est, ne quittez pas. Hein, c'est même pour ça que je fais une vidéo dessus, un petit peu pour vous faire découvrir. C'est pas une découverte, hein. Enfin si, c'est une découverte, mais en détente pendant ces 2 semaines. J'ai compté un petit peu en pourcentage combien j'avais de Call of Duty comparé à ma collection de jeux. Et j'ai 26,31% de Call of Duty dans ma collection. Donc c'est, on va dire, un quart de ma collection. Je crois, hein, moi je suis pas, voilà, très très fort au niveau... Comment dire, enfin, je sais pas. Bon bref, donc ça représente, on va dire, un quart de ma collection. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'en ai marre Call of. Je pense que ceux qui me suivent, donc les 21 abonnés, pardon, donc les 21 abonnés qui me suivent, en ont un peu marre de Call of Duty Ghost parce que je présente à peu près que ça. Je pense que c'est un peu pour ça que j'ai pas beaucoup de vues et que j'en ai, par exemple, j'ai 15-20 vues sur une vidéo code Ghost, alors que sur d'autres jeux, découvertes et tout, j'ai peut-être une trentaine, genre sur la dernière Dust 514, je crois. Je crois que c'est ça la dernière vidéo. Hein. Et bah, j'ai environ 40. Non. Si, je crois que j'ai 40 vues ou 50, j'ai vu. Donc, je pense que les Call of Duty Ghost n'intéressent plus beaucoup personne en ce moment. C'est pour ça que pour l'instant, je fais une pause pour les impressions. Mais ça va revenir pour ceux qui me suivaient rien que pour ça, enfin je pense pas d'ailleurs. Bah ça va revenir bientôt, donc après les vacances hein, parce que sinon ce que je suis en train de faire n'aura plus aucun sens. Alors donc pour parler un petit peu de Skate 3, donc pour commencer, est-ce que je vous le conseille? Donc je vous dis oui et non. Enfin il y a deux sens, c'est-à-dire que bah pour jouer à Skate 3 il faut un minimum s'y connaître en skate. C'est-à-dire que par exemple la vidéo de Squeezie qu'il a fait sur Skate 3, bref elle était rigolo mais pas très jouée, enfin était pas sérieusement jouée, enfin c'est pas son habitude hein, je sais, mais il savait rien faire, genre tout ce qu'il faisait c'est rouler, mettre à la main et taper les gens. Alors je sais plus comment on fait, oui le pouvoir de la force. je sais plus comment on tape déjà.
Je sais plus. Attendez, je vais essayer sur cette vieille dame. Ouais, on lui donne des points, d'accord. Oui, donc lui il faisait que ça, ou il sautait et tout. Mais il faisait pas genre des ollies, des kickflips et tout. Enfin, il faisait rien de tout ça. Je crois qu'il a même pas fait des petits ollies comme ça. C'est grave quand même. Enfin, bref. Pardon, excuse-moi. Je crois que s'il a fait des ollies, mais vite fait. Hein. Mais il faisait pas des trucs sérieux par rapport au skate. Donc, pour ceux qui s'y connaissent pas vraiment en skate, bah, si vous voulez, parce qu'il est fun et tout, achetez-le. De toute façon, il y a un tutoriel de base qui vous explique comment faire le ollie et tout. Après, voilà. Sauf que vous avez un petit problème, c'est pendant les défis. Vous allez dire, par exemple, faites un 3-6 flip. Ouais, faites un 3-6 flip par-dessus 3 marches. Bah, forcément, si vous savez pas ce que c'est qu'un 3-6 flip, vous n'allez pas réussir. Bon, après, il y a le guide des tricks. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a le guide des tricks dans les options. Je vais vous montrer, il est là. Mince, il est là. Guide des tricks, donc avec toutes les commandes de tricks. Franchement, si vous. Franchement, enfin, en fait, du coup, je peux pas dire que je vous le déconseille. Puisqu'il y a un guide de tricks, mais quand même, au cas où. Pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, du tout, du tout en skate, par exemple, un mec qui fait de la trotte, il va pas acheter skate 3 quand même. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe des jeux de trotte sur PS3 ou Xbox. Pardon, parce que j'ai marre de ce reniflement. je sais même pas si ça existe. Bah, personnellement, j'espère que pas. Enfin, vu que je suis un skater, je n'aime pas la trotte, mais même si j'en ai fait. J'espère qu'il y en a pas. BMX, bah, moi perso j'ai jamais fait de BMX, du coup je peux pas critiquer. Roller, j'en ai un sur Xbox, la première du nom, hein, il est pas mal. Donc le roller j'aime bien, mais j'en vais pas, donc je suis nul en roller. Logique, je pense. Donc skate 3, pour ceux qui s'y connaissent assez en skate, déjà je sais qu'un ollie, un 3-6 flip, attendez, je vais essayer de faire un 3-6. Voilà, comme ça, 3-6 flip par exemple, hop, non c'est pas ça. Parce que en fait faut bien presser, enfin presser, bouger le stick analogique, c'est juste que vu qu'on regarde l'écran, on sait pas forcément comment on bouge. Ah, vous voyez là, j'ai fait un 360 hardward. Ah ça c'est, ah j'aime pas ce personnage là, genre ils sont devant vous, ils avancent. Genre imaginez cet homme, quand je vais passer derrière lui, il va se reculer. Enfin c'est, oh merde. Pardon, excusez-moi de ce gros mot. Alors là, vous voyez une flèche jaune, c'est à dire qu'on a énervé la personne. Tiens, moi, je te tape avec mon truc là. Tiens, et si la musique change, il va me poursuivre. Ce serait bien qu'il me poursuive pour la vidéo. Ça fait flipper, enfin, ça nous fait stresser à mort. Ah, si, il nous poursuit. Hop, c'est parti. Moi, je me barre toujours en faisant n'importe quoi. Hop, comme ça, hop. Mais il court super vite, hein, par contre. Hop. Donc, je sais pas s'il va m'attraper. Moi, je fais des tricks, hein, on s'en bat. En fait, moi, je m'en bats un petit peu. Je me suis pété la figure. Je vais rester couché. Là je fais genre qu'il m'a semé. Voilà, donc là, je l'ai semé. Enfin, bizarrement, oui. Qu'est-ce que je disais? Donc, pour ceux qui se connaissent un petit peu en skate. Si, sauf par exemple ce que c'est qu'un kickflip, un ollie, un 3-6 flip, que j'ai réussi, c'est bien. Et bah, ils peuvent jouer au jeu facilement, sans avoir besoin du guide. Oui, je me suis pris un arbre. Puis j'ai activé le mode trasher, enfin le mode boucherie, qui permet de voir nos os se briser. Donc soit il est juste tordu, soit si c'est tout rouge, je vais essayer d'en faire, attendez. Comment je vais faire? Je vais voir ici. Comment je vais faire ça moi? Allez, tortouet. En plus on peut bouger, c'est mortel. Donc si c'est rouge, c'est-à-dire que c'est une fracture grave et tout. Mais bon, on se rétablit au bout de 3 secondes. Donc ça c'est un hôpital très... Oui, hop, un os blanche et tout. Hop, ralenti. Ah bref. Du coup, je suis en train de me couper la parole plusieurs fois, ce qui est très 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 énervant. J'espère que ça va vous plaire cette idée de vidéo. En fait, en ce moment, ce que je fais, c'est que, yep, je suis en train de rejouer à tous mes anciens jeux que j'ai pas joué depuis l'année dernière. Donc j'ai recommencé à jouer à Skyrim, Far Cry et tout. Assassin's Creed, je suis en train de refaire la campagne parce que je la trouve super bien.
Donc je vais peut-être faire un, je sais pas trop, un let's play dessus. Sauf que vu qu'il y a Black Flag, je sais pas. Je verrai ça. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire là? Avec la petite accent, je sais pas quoi là. Ah oui, il y a un truc exceptionnel qui s'est passé aussi. Bon, ça n'a aucun rapport avec les vidéos que je fais sur internet ou même de moi. C'est que bah il y a ma soeur, oui je parle de ma soeur. Elle s'est mise à League of Legends. C'était hallucinant quand même. Le pire, c'est qu'elle se débrouille pas mal. C'est-à-dire qu'elle fait du. Elle a fait quoi la dernière fois? Vous avez. Moi je dis que c'est pas mal, mais c'est une débutante, donc du coup pour elle c'est pas mal. Mais elle fait du genre elle a fait quoi? Il y a pas longtemps, elle a fait, je crois, du 7-15, un truc comme ça, je crois. Enfin bref, pour elle, c'était pas énorme, vu que 7-15, c'est quand même... c'est plus que... Enfin, je sais pas trop comment dire, mais pour elle, c'était énorme. Moi, par exemple, je fais pas d'énormes scores. Mais par exemple, avant... Enfin, quand je suis sérieux, je fais du genre du peut-être du 8-2, 8-4, ou des trucs comme ça. Mais je vois déjà des commentaires genre de rouge turquoise qui va dire mytho, moi je fais du 27-0 nanana nanana. Je dirais qu'il s'est fait vraiment taper dessus, enfin taper on va dire. C'est plutôt c'est fait. Il y a eu plein de personnes sur une page Facebook de Global Champ qui ont commencé à lui contredire ce qu'il disait parce que il faisait que de. Oula, il faisait que de se plaindre au niveau de gens avec qui il jouait. En duo, je sais pas quoi, enfin bref, c'est une autre histoire et tout le monde commençait à le traiter et tout, à mettre des photos de lui comme ça sans prévenir. Après, il y a les droits d'auteur d'image, donc je sais pas si ça sera un truc d'influence ou un truc comme ça, enfin bref, ça c'est pas du tout notre affaire, donc on va arrêter de parler de ça et on va plutôt s'attarder au gameplay que je suis en train de vous proposer en live parce que oui, c'est en live. C'est ça que j'ai un petit peu fait le truc du début, c'est à dire que j'ai laissé. Le début de la vidéo en train de faire par exemple j'étais, je crois que j'étais comme ça, oui. Puis j'ai fait des tricks oula, j'ai un petit bug. J'ai fait des tricks sur la barre, enfin sur des barres et je me suis pété la figure et j'ai commencé la vidéo, c'est pour me souvenir à l'endroit précis où mettre le son de la vidéo tout simplement. Skate 3, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus en même temps? Skate 3 franchement il est pas très cher hein, il est pas du tout cher même. Oui. Sur, je vais vous conseiller un petit site pour aller j'allais dire pour le télécharger mais non c'est pour l'acheter. Donc il est pas disponible sur la store malheureusement, c'est pour ça qu'il faut le commander sur internet. Mais bon j'ai complètement zappé du coup. En boîte, voilà, tout simplement en boîte. Enfin c'est des boîtes que sur la store. Pokémon Ghost par exemple, j'aurais voulu l'avoir en boîte. Mais un petit malin m'a fait croire un truc. Et comme un crétin, j'y ai cru. Du coup, je me suis fait ni... J'allais dire un robot, mais je me suis fait... profiter de dire des grossièretés. Attendez, j'ai vu un film il y a super longtemps. Où il disait carjacker. Donc je me suis fait carjacker de l'argent. Voilà, enfin, de l'argent. Ouais. Je sais pas trop si je devrais le dire, mais bon, je me suis fait carjacker de l'argent. C'est belge en plus. Je sais pas hein, si carjacker, je crois que ça veut dire voler, mais je me suis fait avoir. Du coup, je me suis fait débiter 70€ pour ce jeu. Alors, si j'avais su les critiques et tout, je l'aurais. Par exemple, si je l'avais eu en CD, je pense que je l'aurais déjà revendu le jeu. Mais bon, il me reste toujours un plaisir d'y jouer un petit peu vite fait. Quand je m'ennuie et que j'ai pas de jeu à faire, je vais sur Ghost. Mais c'est très rare, hein, c'est très rare que je m'ennuie. Donc autrement on va arrêter de parler de tout ce qui est carjacké et tout là. Et on va jouer un peu parce que là je fais n'importe quoi. Faut croire que cette vidéo je l'ai recommencé 4 fois. 3, donc j'en ai recommencé 2. Parce que j'avais mal fait un truc pour le truc du son. Donc pour repérer le son. De toute façon si j'avais bien fait j'aurais fait une vidéo. Je me serais aperçu de notre problème après qui m'arrivait pour la troisième. Donc la troisième vidéo que j'ai loupée, c'est parce que mon micro est en mute. Donc les deux vidéos d'avant, ils étaient en mute aussi. Du coup, ça... Voilà. Et la quatrième, c'est que c'est ma mère qui est venue. Comme ça, et je lui dis, je suis en train de faire une vidéo, et ça fait, mais je m'en fous et tout. Enfin, bref.
pour parler un petit peu de Shkat 3, encore une fois, je le dis depuis tout à l'heure, faut parler de ça. Je vais te faire un flashback. C'est pas très intéressant après parce que je vais essayer de vous faire découvrir un max de trucs. Ah oui, il y a un mode en ligne aussi dans ce jeu, je vais essayer de vous le faire découvrir aussi. C'est plein de petits trucs assez sympas. Franchement aussi c'est un open world je crois. Je crois que c'est comme ça. Où le monde. Je pense pas trop, on va dire plutôt un open ville. Je sais pas si ça existe, mais c'est. Y a que la ville qui est disponible. Par exemple on peut se balader dans la ville et tout. Ah j'ai envie de faire ça. Boum. Vous voyez c'est en rouge, du coup je me suis fait une fracture. En plus je viens de trouver un truc là, ça c'est pas que je crois. J'ai jamais fait ça, Ouf, ça doit faire mal. Attendez, je vais essayer de mettre un marqueur. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre des marqueurs? Donc pas les crayons, enfin les trucs qui écrivent là. C'est plutôt des endroits, par exemple là, hop, je vais me téléporter en haut et voilà. C'est très utile. Hop, en plus j'ai. Vous pouvez voir, attendez, mon petit personnage. J'ai essayé de me représenter moi donc. Je vais essayer de vous montrer, attendez. Éditer skater. Donc là c'est toute ma team. Hop, je dis de perso, vous allez voir un petit peu comment je suis. Donc je suis comme ça. Bon. Mais en plus petit. Ouais, en plus petit. Largement petit. Avec mon skate de Danny Way plan B. Je vais dire plan B, mais non, c'est plan B. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je me suis fait un petit délire. Mais, voilà. Mais, oh, purée. Ouf, voilà. Je me suis fait un petit délire. On a créé une team au début pour le skate. Enfin, dans Skate 3, on doit créer une team. Et j'ai eu la bonne idée de faire ma soeur. Sauf que j'arrive pas à la faire comme elle est exactement, donc je l'ai fait comme ça. Ça c'est assez marrant. Elle a trouvé ça marrant, je crois aussi. Du coup, bah voilà, je lui ai mis une girl hein, pour. C'est un skate de fille, hein, c'est pas un skate de fille girl. Hein. C'est juste parce que j'ai marqué girl, je me suis dit, puis elle va aimer ça. Bah voilà. Après, j'ai créé pas d'autres personnages intéressants. J'en ai créé deux, genre celui, je l'appelais Gray. Et Natsu pour le Fairy Tail, j'aime ça. Grant, lui, je vais pas trouver de nom, du coup j'ai mis Grant. Donc c'est la team Afters. Alors je vais continuer à faire ça. Plus j'adore, c'est qu'il y a une voix, je pense, donc elle était maintenant, on a entendu oh, oh, et tout. Bon, et tout, mais il n'y avait pas été voix, hein. C'est moi qui ai rajouté parce que voilà. Donc il a fait waouh, waouh, et puis bon, ça serait bien que ça reparle, mais c'est un truc exceptionnel, c'est que c'est la voix de. Comment il s'appelle déjà? Ça fait super longtemps que je n'ai pas regardé aussi. C'est dans Walking Dead, j'allais dire The Walking Dead. Bon, c'est pareil. C'est dans Walking Dead. Donc c'est le. Enfin, l'asiatique. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, purée. Ah, j'ai oublié son nom alors que j'ai regardé toutes les saisons et tout. Enfin, bref, c'est l'asiatique en couple avec Maggie. Donc, je sais pas si je spoil un peu pour ceux qui connaissent pas. Bon, c'est pas grave. Avec Maggie dans la série, je sais plus du coup comment il s'appelle, enfin, je sais plus, non. donc, enfin, c'est la même voix, hein. C'est exactement, enfin, la voix française, je veux dire. Oh, j'ai cru que j'avais bien perdu. Oh, elle est couchée sur le skate. On va rester un petit peu par ici. Puis je crois qu'on va terminer la vidéo juste après. Donc, c'est la voix de personnage qui joue Walking Dead, enfin, la voix française du personnage dans The Walking Dead. Hop. Je voudrais bien vous montrer un petit peu dans ligne, mais non, je vais me faire éclater parce que là, on se dit par exemple, si je fais ça là, hop, enfin, c'est pas énorme. Genre, si je fais ça, on se dit, waouh, c'est énorme et tout, c'est trop fort. Mais quand vous arrivez en ligne, mais les mecs ils font des trucs trois fois plus haut, genre en même temps, attendez, hop, en même temps qu'ils font genre ça, donc laser flip ou quoi que ce soit là, et bah, hop, attendez, d'accord. Je vais essayer de mettre en purée en régular si c'est possible. Régular, hein, c'est le sens du skate. Et moi, vu que je suis régular, je préfère en régular. Donc, par exemple, eux ils vont faire. Donc, je vais pas y arriver, hein, mais c'est juste pour montrer les deux étapes. Enfin, eux, c'est une étape, mais moi, je fais deux. Donc, ils font ça. En même temps, ils font un double salto. C'est pas pourquoi. En plus, ils sont habillés super moche. Ils ont des t-shirts colorés en mode rasta. Enfin, je dis pas que c'est moche, hein, mais pour un truc skate 3, par exemple, moi, j'essaie de refaire mon personnage. Plus avec bah oui mon personnage quoi, enfin ma vraie apparence, mais eux ils ont fait n'importe quoi, ils ont mis des chaussettes hautes avec un en slip et tout, c'est n'importe quoi, un skate coloré tout moche, genre rouge avec des roues vertes, enfin c'est très très moche, j'aime pas du tout, et moi j'ai l'impression qu'ils sont cheatés, je sais pas pourquoi,
Je pense pas, c'est juste qu'ils sont assez expérimentés et voilà. Donc je sais pas, et du coup ils sont super forts, j'y arrive. Hop, comme ça ils font un salto arrière. Bah personne peut en faire un salto, mais j'ai du mal à le faire moi encore. Parce que je fais les touches qu'ils me disent, mais je sais pas pourquoi ça veut pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je vais essayer. Non, ça marche plus. Enfin, je sais pas. Je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. J'espère que ça vous aura plu, une petite vidéo sur Skate 3. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez. Je pense que, attendez, je vais peut-être encore en faire un petit peu. Ça fait combien de temps? Ça fait 21 minutes. 21 minutes, d'accord. Bah, je vais jusqu'à 25, allez. Ça me fait un temps de rendu ouf, mais bon, c'est pour vous. De toute façon, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mes vidéos, il y a moitié le HUD, je crois que ça s'appelle comme ça, si je me trompe pas. Non, je suis revenu là. Bon, bref, le HUD, il bougeait un petit peu. Je me suis dit, what, ça ressemble à une vidéo de Roche Turquoise. Puis là, j'ai un petit peu rigolé, je me suis dit, d'accord. Alors, bon, c'était pas grave. Pourquoi il n'y a pas des hommes secours, c'est pas une des... c'est pas grave, j'espère que c'était que pour cette vidéo. Le mec s'est pété la gueule. Moi aussi. C'est pas grave. Non, c'est un mec de ma liste d'amis, d'ailleurs, faut que j'enlève parce que je le connais pas. Oui, j'ajoute des mecs que je connais pas. Je pense que je suis pas le seul. Mais c'est le seul personne que je connais pas. Genre, il y en a, il s'appelle Biozar. Biozar, si je me trompe pas. Bon, je le connais, il fait du roller, je crois. Oui, il fait du roller. Mais voilà. Je le garde encore en ami, on sait jamais. Si un jour il rejoue à Skate 3, ce sera sympa de jouer avec lui. Mais Adrien C9D, je crois que c'est ça son pseudo, le mec là, de tout à l'heure qui est tombé. Ou non, qui est passé à côté de moi. Enfin, qui est passé à côté de nous plutôt. Bah, je vais devoir l'enlever parce que je l'ai ajouté, mais je sais même pas s'il est français. Ouf, oui. Donc, je vais essayer de voir. Enfin, bref. Hop. Franchement, bon, pour finir, on va dire la vidéo. Je vous conseille vraiment ce jeu. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo jusqu'à 25 minutes. Je vais un petit peu continuer en même temps. Si vous voulez, par exemple, là c'est juste une vidéo. Dire la vidéo. En fait, je sais pas comment dire. On va dire une vidéo. Sélectif. Je sais pas si c'est ça. Hein. Pour vous présenter quelques jeux. On va dire que c'est un petit peu ça le but. Présenter tous les jeux que je possède à part Call of Duty. Et si vous voulez des vidéos dessus, vous avez qu'à le dire. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, abonnez-vous, mettez un j'aime. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, bye tout le monde. Hey.